Des œufs éclatés sur la façade du siège social de la SNECMA à l'image de la colère des salariés. Venus de Gennevilliers, Villaroche, Le Creusot, Vernon, Châtellerault et de plus près Évry, Corbeil, ils étaient 1 000 000 à manifester. Partis du site essonien, ils ont rejoint Courcouronnes par la nationale. Raison de leur colère, une augmentation salariale pour 2010 de 1,2%, alors que les actionnaires du groupe Safran, dont dépend la SNECMA, auraient bénéficié de remontées de dividendes à hauteur de 330 millions d'euros. 330 millions qui ont le don d'agacer les salariés. C'est surtout la différence qui existe entre la politique salariale qui nous est proposée aujourd'hui par une direction générale SNECMA et effectivement ces 330 millions qui sont les remontées de dividendes, hein, qui sont également une richesse pour Safran. Et c'est les créateurs de ces remontées de dividendes qui ne sont pas récompensés. La CGT qui réclame 5% d'augmentation et 300 euros de rattrapage sur les salaires. Contactée, la direction nous a confirmé les 1,2% d'augmentation générale. Elle a ajouté que les salariés pourraient bénéficier de 1,2% d'augmentation individuelle au cas par cas. Une nouvelle négociation devrait avoir lieu le 19 mars.